Shalom, 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 bienvenue dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Bienvenue dans cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. Nous allons élever la voix et nous allons bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour les bienfaits qu'il opère dans nos vies. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te glorifions pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons parce que tu es avec nous. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu nous as guidés, tu nous as parlé durant cette nuit. Nous voulons prier encore aujourd'hui que tu nous protèges par ton sang précieux, que le sang de l'agneau immolé, Seigneur, parle en notre faveur en cette journée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions dans le nom de Jésus que ton Saint-Esprit nous guide. Nous prions, Seigneur, pour la direction. Nous prions, Seigneur, pour que tu sois notre guide. Nous prions, Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous précèdes. Nous prions, Adonai, que tu puisses vraiment te glorifier à travers nos vies. Père, nous prions que tu nous préserves. Préserve notre trajectoire aujourd'hui. Préserve, Seigneur, préserve-nous sur notre chemin. Préserve-nous au travail. Préserve-nous, Seigneur, parmi toutes les activités que nous avons à accomplir. Préserve-nous, Saint-Esprit de Dieu. Toi, le Dieu de la préservation. Toi, le Dieu fort. Toi, le Dieu tout-puissant. Préserve-nous en chaque instant. Préserve-nous maintenant dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous prions que, Seigneur, que là où l'ennemi à positionner des choses contre nous, des complots, des conjurations, des serments, tout ce qui a été fait contre nos vies, afin que, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, puisse nous détruire, nous ravager, ou encore, Seigneur, nous anéantir. Nous prions dans le nom de Jésus que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous prions pour ta protection divine sur notre corps. Nous prions pour ta protection divine, Seigneur, par rapport à tout ce que nous avons à faire aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, béni soit ton nom. Sois glorifié pour tout ce que tu fais. Béni soit ton nom pour ton amour. Béni soit ton nom parce que tu es avec nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, que cette journée te soit entièrement consacrée. Guide-moi, marche devant de moi, sécurise mes pas, protège-moi, préserve-moi de tout accident, de tout incident. Élève la voix. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous prions, Seigneur, que tu nous protèges, que tu nous préserves de tout accident. Nous prions, Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous gardes de tout ce que l'ennemi a préparé contre nos vies. Que, Seigneur, que tes anges nous escortent partout où nous irons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes anges soient avec nous, dans le nom de Jésus. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous assiste dans tout ce que nous avons à faire aujourd'hui. Seigneur, préserve-nous, garde-nous, donne-nous la direction divine par rapport à des décisions que nous avons à prendre. Donne-nous la direction divine par rapport à, Seigneur, des domaines de notre vie. Donne-nous la direction divine, pas notre volonté, mais ta volonté. Pas, Seigneur, nos besoins, pas, Seigneur, ce que nous voulons, mais toi seul, ce que tu veux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que tu diriges nos pas, autant spirituellement que professionnellement. Tu diriges nos pas, Seigneur, dans chaque domaine, dans notre vie sentimentale, dans notre vie financière. Dirige nos pas, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous, Père. Dirige-nous pas dans le nom de Jésus. Seigneur, dans chaque domaine de notre vie, que nous ne puissions pas faire des choses selon nous, ce que nous voyons avec nos yeux, mais que nous puissions faire des choses selon ce que toi, tu as décidé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, assiste-nous. Saint-Esprit, sois avec nous. Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Glorifie-toi encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parle-nous encore. Donne-nous des confirmations. Révèle-toi à nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Shakarabaya la kata. Yeso korobo shakarabata. Fakarabaya la kata karabasoko. Yesa karabasho korobo sante. Yekarabaya la karobo sokorobo chante. Élève la voix, toi qui parles en langue. Yeso korobo shakarabaya la kata. Yeso korobo chante. Yakarabaso korobo chante. Hine baya la kata. Yeso korobo chante. Hine baya la kata. Yefaka ramasoko. Yenaba yala karaba sokoro boshante. Yesa karaba yala karaba sokoro boshante. O ramasante. Anaba yala kata. Yesokoro boshante. Hiriba. Yakaraba baba baba sokoro boyereke.
Ye karaba sokoro bo shanta. Ye karaba sokoro bo shakaraba yalakata. Yo sokoro bo shanta. Yana hasikiri ba yalakata karaba yalakata. Ye koro bo shakaraba yalakato. On fa karama sante hi shakaraba yirekiti. Ye karaba ba 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 sokoro bo shanta. Ye karaba sokoro bo shanta ke. Ye sakaraba sokoro bo shanta. Oh Jésus, tu es digne, tu es merveilleux, Adonai. Alléluia. L'instruction divine de ce jour, c'est que nous puissions prier par rapport à nos dons, nos talents, nos compétences que Dieu a mis en nous. Que le Seigneur nous donne, de par ce qu'il a mis en nous, de pouvoir être un bon intendant, une bonne intendante. Et de pouvoir multiplier ce qu'il a mis en nous. La Bible parle de la parabole de ce maître qui a donné des talents aux serviteurs. Il y en a eu un qui a fait fructifier le talent. Il y en a eu un autre qui l'a enterré. Et un autre, Chakarabata, un autre qui l'a enterré. Donc, il veut dire que parmi ceux qui ont reçu ce talent, il y en a un seul qui l'a fait fructifier. Et l'autre l'a enterré, pensant que c'était la meilleure solution. Alléluia. Ce sera sur la base, la prière d'aujourd'hui, ce sera sur la base de ce passage. Ce qui veut dire qu'il y a des talents, il y a des dons, il y a des compétences que Dieu a mis en toi, que tu dois pouvoir multiplier, que tu dois pouvoir mettre en exercice. Et il est important que tu puisses les identifier. Il est important que tu puisses identifier. Il y a certainement des choses que tu sais faire sans forcer. Il y a certainement des choses que tu fais par passion. Il y a certainement des choses dont tu n'as aucune difficulté à faire. Donc, le premier point de prière, tu vas dire, Seigneur, révèle-moi mes dons, mes talents, mes compétences dans le nom de Jésus. Que ce que tu as mis en moi, que tu me les révèles. Permets-moi de les identifier afin que, Seigneur, que je puisse les cerner, les discerner, afin que je puisse suivre tes directives dans le nom de Jésus. Élève la voix. Yakaraba sokoro bo chante. Yé sokoro bo shakaraba sante. Yé fa karaba sokoro bo chanta. Yé karaba sokoro bo chante karaba. Yé karaba ba 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 sokoro bo chante. Yé sakarama ya la maya maya la kata. Yé sokoro bo shakaraba sante. Yé sokoro bo shakaraba ya la karaba sante. Oh Jésus, 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 Jésus. Seigneur, nous prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es puissant et toi qui es fort. Nous voulons te bénir, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons t'exalter parce que tu es puissant. Nous voulons te glorifier parce que tu es fort. Père, nous prions aujourd'hui, Père, pour chacune de nos vies. Nous prions, Seigneur, pour nos vies, afin que tu nous montres, Seigneur, donne-nous la force, la sagesse, le discernement, afin de reconnaître les dons que tu as mis en nous, afin de reconnaître les talents que tu as mis en nous, afin de reconnaître, Seigneur, les capacités, les compétences que tu as mis en nous. Père, tu ne fais rien par hasard. Tu ne fais rien de manière anodine. Nous prions, Seigneur, aujourd'hui, sous l'instruction divine, sous ton instruction. Seigneur, permets-nous d'identifier, Seigneur, ce que tu as mis en nous. Permets-nous d'identifier les différentes compétences que tu as mis en nous. Permets-nous d'identifier les différents talents que tu as mis en nous. Permets-nous d'identifier les différents dons que tu as mis en nous. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, partir de cette terre sans avoir accompli ta mission par rapport à ce que tu as mis en nous. Seigneur, donne-nous de les identifier. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir. Donne-nous de comprendre, de discerner, Seigneur, ce que tu as mis en nous dans le nom de Jésus. Donne-nous de reconnaître les qualités qui sont en nous. Donne-nous de reconnaître, Seigneur, également nos manquements et nos faiblesses. Père, permets-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, révèle-nous et donne-nous, Seigneur, de pouvoir accepter qui nous sommes en toi. Permets-nous, Seigneur, d'accepter, Seigneur, notre identité en toi, dans le nom de Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, tu veux te glorifier chaque jour. Tu veux te glorifier en chaque instant. Père, je sais que tu veux nous utiliser dans un ou plusieurs couloirs afin que plusieurs milliers de personnes viennent à toi. Seigneur, nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu as mis en nous, Seigneur, nous soit révélé. Que tout ce que tu as mis en nous, Seigneur, nous soit révélé. Dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, la force, la compréhension, le discernement, afin que nous puissions pas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions pas, Seigneur, manquer à ton appel, manquer à notre destinée. Père, montre-nous, permets-nous d'identifier, Seigneur, qui nous sommes en toi. Permets-nous d'identifier réellement notre identité. Les dons que tu as mis en nous, ce n'est pas en vain. Les talents que tu as mis en nous, ce n'est pas en vain. Les carabasso corobo chante. Les dons que tu as mis en nous, ce n'est pas en vain. Les talents que tu as mis en nous, ce n'est pas en vain. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que ces dons, ces talents, que Père, qu'ils te soient pleinement, Seigneur, que nous puissions comprendre, saisir cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jacaraba yarakata. Yeso korobo chante. Yakaraba so korobo chante. Seigneur, montre-nous, Père. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous, révèle-toi à nous dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas élever la voix maintenant et tu vas dire à Dieu, Seigneur, que je ne sois pas de ceux qui enterrent ce que tu as mis en moi. Et je t'encourage pleinement aujourd'hui. Il y a tellement de dons, de talents, de compétences, de capacités qui sont en toi. Ne sois pas de ceux et celles qui enterrent ce que Dieu a mis en eux. Tu sais, Dieu a mis en toi plein de potentiel. Et il est important que ce potentiel, tu puisses le déployer, le multiplier, le fructifier de manière à... Il faut que tu saches que chaque don, chaque potentiel, chaque talent que Dieu t'a donné, c'est de manière à faire son service, c'est de manière à impacter, c'est de manière à influencer, c'est de manière à ce que tu puisses accomplir la mission qu'il a mis, qu'il a rattaché à ta vie. Donc tu vas élever la voix maintenant et tu vas dire à Dieu, Seigneur, ne permets pas que Saint-Esprit de Dieu, que je parte sans avoir accompli la mission pour laquelle tu m'as créé dans le nom de Jésus. Dieu t'a créé pour un but. Et il est important que tu prie le Seigneur pour dire, Seigneur, les talents, les dons, les compétences que tu as mis en moi, permets-moi de les exprimer, permets-moi de les rentabiliser, permets-moi, Seigneur, vraiment de que ce soit même une source de revenus pour moi. Parce que la Bible dit que ce serviteur, il a fructifié. Donc, il veut dire que ce qui est en toi, Dieu est capable que ce soit une source de revenus pour toi et que tu fructifies cela. Élève la voix et prie dans ce sens. Shakaraba yalakata. Yeko robo shakaraba sante. Fakaraba shokorobo yalakata. Yakaraba sokorobo chante. Yakaraba sokorobo chante. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné tellement de talents, tellement de dons, tellement de capacités. Et des fois, Seigneur, nous ne nous rendons pas compte, Seigneur, de ce potentiel. Des fois, nous ne nous rendons pas compte, Seigneur, de ce que tu as mis en nous. Père, nous ne voulons pas, Seigneur, partir de cette terre sans avoir accompli ta mission. Nous ne voulons pas partir de cette terre sans avoir accompli, mis en œuvre, Seigneur, tous ces différents dons, talents et compétences et ces capacités. Seigneur, il y a tellement de personnes qui sont au cimetière avec des livres, Seigneur, qu'ils auraient dû écrire. Il y a tellement de personnes qui sont au cimetière avec, Seigneur, des ateliers qu'ils auraient dû faire, des séances qu'ils auraient dû créer, des réunions qu'ils auraient dû mettre en place. Il y a tellement de personnes, Seigneur, qui sont enterrées aujourd'hui et qui avaient tant de projets, tant d'aspirations, qui savaient qu'ils avaient des talents, mais qui n'arrivaient pas à les exprimer. Ils savaient qu'ils avaient des talents, mais ils avaient peur, Seigneur, de pouvoir les exprimer. Ils avaient peur du jugement des autres. Ils avaient peur d'échouer. Ils avaient peur, Seigneur, de ça n'aboutisse pas. Ils avaient peur du non-accomplissement. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Que Père, dans le nom de Jésus, que tout ce que tu as mis en nous ne permet pas que nous puissions partir. Donne-nous la volonté. Donne-nous la ferveur. Donne-nous la discipline. Donne-nous la rigueur. Afin que, Seigneur, que tout ce que tu as mis en nous, que nous puissions le mettre au service de ton royaume. Que tout ce que tu as mis en nous, nous puissions, Seigneur, le mettre à ton service, au service de ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons, Seigneur, vraiment à toi, Seigneur. Père,
que tout ce que tu as mis en nous, donne-nous la force de le multiplier. Donne-nous la force de le rentabiliser. Donne-nous la force, Seigneur, de le déployer dans le nom de Jésus. Que Père, que tous ces beaux projets, que toutes ces belles choses que tu nous inspires, dont des fois nous ne comprenons pas, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes le discernement, que nous puissions être attentifs à ta voix, que nous puissions être attentifs, Saint-Esprit de Dieu, à tes instructions, afin que nous puissions mettre en œuvre, Seigneur, vraiment tous ces éléments, afin que ton royaume, cela puisse contribuer à l'avance de notre royaume, car tu veux que nous puissions être des partenaires financiers. Nous refusons d'être dans la médiocrité, nous refusons d'être dans la pauvreté, nous refusons d'être oisifs et paresseux, nous refusons, Seigneur, de vivre, Seigneur, sous des allocations d'État, Seigneur, qui nous rendent encore plus dans la misère. Nous refusons, Seigneur, d'être inactifs, mais nous prions maintenant dans le nom de Jésus, que nous soyons hyperactifs pour ton royaume, que nous puissions prendre conscience, Seigneur, que notre passage sur terre n'est pas simplement pour nous, mais d'abord pour l'extension, la propagation de ton évangile, que nous puissions saisir que notre passage sur terre est pour l'intérêt de ton royaume, dans le nom de Jésus, et que, Seigneur, que de par cette compréhension, donne-nous la sagesse, donne-nous le discernement, donne-nous la clairvoyance, afin de saisir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous, afin de saisir, Seigneur, les dons, les talents, les capacités, les compétences que tu as mis en nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais élever la voix maintenant. Tu vas prier que toute peur, que toute peur, que tout ce qui est peur, la peur de l'inconnu, la peur du jugement des autres, que tout ce qui, la crainte, le doute, l'incrédulité, tu vas prier que tous ces éléments qui t'empêchent d'exprimer ton plein potentiel, qui t'empêchent de multiplier, de te multiplier, ou encore que tes passions ou les différents dons, talents que Dieu a mis en toi soient des sources de revenus, tu vas prier que là où il y avait des forteresses, là où il y avait des limitations par rapport à cela, tu vas les renverser dans le nom de Jésus. Élève la voix. Shakaraba yalakata. Yekaraba soko robo chante. Fakaraba yalakata karaba soko. Yekaraba soko robo chante ke. Yakaraba soko robo chante. Yakaraba yalakata robo soko robo chante. Yekaraba soko robo chante haraba yalakata. Yesoko robo shakaraba sante. Oh robo shakaraba sante hereba yalakata. Oh Seigneur, nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Nous renversons tout mur, toute muraille. Nous renversons toute clôture. Nous renversons, Seigneur, tout ce qui a été bâti, Seigneur, entre toi et nous, Père, entre toi et l'accomplissement de notre destinée. Nous prions, Seigneur, que notre destinée, Seigneur, te soit placée au-devant de toi. Nous prions que tout ce que l'ennemi a placé sur notre chemin, afin que nous ne puissions pas, Seigneur, nous ne puissions pas faire ce que tu as mis dans nos cœurs. Tu as mis des projets dans nos cœurs, tu as mis des choses dans nos cœurs. Et peut-être que certains, Seigneur, ont peur. D'autres ont peur de l'avenir, d'autres ont peur de réussir, d'autres ont peur, Seigneur, d'aller de l'avant, d'autres ont peur que cette source, que cette ces talents, ces dons soient des sources de revenus. D'autres ont peur. Shakaraba yarakata. Ye korobo shokorobo sante. Yakaraba sokorobo shante. Ye karaba sokorobo shantaha. Seigneur, d'autres ont peur. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi, Seigneur, crée la peur dans nos cœurs. Que là où l'ennemi crée la peur, Seigneur. Là où l'ennemi crée la crainte, l'incrédulité, Seigneur, en nous. Nous prions que toute forme de crainte, nous prions que toute forme d'incrédulité s'arrête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous refusons, Père, de cohabiter avec la peur. Nous refusons de cohabiter avec le doute. Nous refusons de cohabiter avec l'incrédulité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la peur, Seigneur, était devenue notre partage, nous la refusons dans le nom de Jésus. Shakaraba yalakata. Yefakaraba sokorobo chante. Yesakaraba sokorobo sante. Seigneur, nous prions que là où l'ennemi utilise toute forme de choses, Seigneur, pour nous éloigner de ce que tu as mis en nous, pour nous empêcher d'exprimer ce que tu as mis en nous, nous prions que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu vas élever la voix maintenant et tu vas prier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu que tu te donnes l'assurance, la direction divine, que tu te donnes vraiment des idées nouvelles, que Dieu te donne vraiment de marcher dans ses pas, de manière à ce que les dons, les talents,
les capacités, les compétences qu'il a mis en toi, que tu puisses être dirigé par son esprit. Parce que si tu es dirigé par son Saint-Esprit, même si des fois cela semble incohérent humainement, mais tu verras la gloire de Dieu, tu verras les résultats, tu verras vraiment Dieu pourvoir pour toi. Élève la voix. Merci Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, dirige-nous, dirige mes pas, dirige-moi, guide-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de même que tu m'as donné des talents, des compétences, des capacités, du potentiel. Permets que, Seigneur, que chacun de ces talents, permets que chacun, Seigneur, de ses compétences, permets que chacune de ses capacités, que, Seigneur, tu me donnes, Père, d'être guidé par ton Saint-Esprit. Donne-moi d'être guidé par ton Saint-Esprit. Donne-moi d'être guidé par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton Saint-Esprit me guide, Père, de manière à ce que, Seigneur, que quand tu me donneras une directive, je ne sois pas, Seigneur, vraiment sous l'emprise de la chair, mais que je sois guidé par toi, car toi seul as la direction, Seigneur, pour ce que tu as mis en nous. Père, montre-moi, guide-moi, donne-moi des idées nouvelles, fais monter en moi des inspirations dans le nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, me précède en tout et que toute la gloire, que toute la puissance te revienne à toi et à toi seul dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, prends le contrôle et permets que ce que tu as mis en moi, j'ai la capacité de le déployer, de le multiplier, de progresser avec, d'aller de l'avant avec, afin que je sois un bâtisseur, une bâtisseuse pour ton royaume. Élèvons la voix. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Et nous nous attendons à toi. Croyons, Seigneur, que tu es le seul qui agit. Croyons que tu es le seul qui peut changer nos vies. Nous croyons que tu es le seul qui peut démontrer que tu es avec nous. Seigneur, nous prions maintenant dans le nom de Jésus que là où Seigneur, l'ennemi, Seigneur, a essayé de nous déstabiliser d'une manière ou d'une autre, nous prions, Seigneur, donne-nous l'assurance de marcher dans tes pas. Donne-nous d'avancer et que tous les talents, les dons, les potentiels que tu as mis en nous, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces dons, ces talents, ces potentiels puissent, Seigneur, donne-nous la capacité de les déployer. Donne-nous la capacité, Seigneur, de les rentabiliser. Donne-nous la capacité de les multiplier dans le nom de Jésus. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que, Seigneur, tu nous donnes la force de faire progresser tout ce que tu as mis en nous. Tu nous donnes la force de faire progresser tout ce que progresser, multiplier tout ce que tu as mis en nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, nous nous attendons à toi, prends le contrôle total et que ton nom seul soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Lève la main droite et tu vas répéter après moi. Seigneur, je te remets ma vie, je te remets, Seigneur, ce que tu as mis en moi. Seigneur, tu m'as rempli, je ne suis pas une personne ordinaire. Je suis une personne extraordinaire. Tu as dit que tu m'as créé à ton image et qui veut dire que les talents, les dons, les capacités, les compétences sont en moi. Je prie dans le nom de Jésus que, Père, que tout ce que tu as mis en moi s'exprime. Que tout ce que tu as mis en moi s'exprime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets-moi de les multiplier. Permets-moi de les faire progresser.
Permets-moi d'avancer dans le nom de Jésus afin d'être un bâtisseur, une bâtisseuse pour ton royaume. Que Saint-Esprit de Dieu, précède-moi en tout. Parle-moi, Seigneur. Guide-moi, Jésus. Et que, Seigneur, que je ne sois pas simplement une personne qui passera son temps sur la terre sans impact. Mais donne-moi d'impacter, donne-moi d'influencer, donne-moi de progresser, donne-moi d'aller de l'avant, donne-moi d'être vraiment dans les couloirs que tu veux que je sois, de manière à ce que je sois un exemplaire pour la vie d'autrui. Car Seigneur, je suis la solution à plusieurs problèmes, je suis la solution à plusieurs familles, je suis la solution à plusieurs vies. Que Seigneur, aide-moi, dirige-moi, guide-moi, Père, dans le nom de Jésus. Et que ma vie, de par mes potentiels, de par mes capacités, de par mes compétences, de par mes talents, de par mes dons, que Seigneur, ma vie impacte la vie de milliers dans le nom de Jésus. Que ce soit à distance, que ce soit en présentiel, mais que ma vie, que ce soit par écrit, mais que ce soit par des livres, des blogs, des sites internet, quel que soit par le mode opératoire, mais que ma vie impacte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois béni, sois élevé, dirige-moi, conduis-moi, et que toute la gloire, que toute la puissance te revienne à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, donc la recommandation, l'instruction divine de ce jour, et que tu pries pour que les talents, les dons, les compétences, les capacités, les potentiels qui sont en toi, que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, puisse te permettre de les multiplier et prie pour renverser tout ce que tu sais qui pourrait être un obstacle. Prie pour renverser toute limitation qui pourrait t'empêcher d'exprimer les talents qui sont en toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, bonne journée. Rendez-vous à midi à 18h.